Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un champ calculé sur Google Data Studio. Pour commencer, il faut savoir qu'un champ calculé est créé de toutes pièces à l'aide d'un nom et d'une formule. Personnellement, moi, je vais créer un champ nommé coût par clic, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans Ressources, ensuite Manage Update Data Source, puis Edit, puis Add Field. C'est ici que la magie opère. Ici, on va mettre le nom de votre nouvelle rubrique. Donc moi, ça va être coût par clic. Et ici, la formule. Étant donné que c'est un coût par clic, on divise les coûts par les clics. Et voilà, on attend que ça valide. Une fois validé, on sauvegarde. Et on finit. On peut fermer la fenêtre. Et pour vous montrer ce que ça donne, j'ai au préalable mis 3 cartes. Donc l'une avec les coûts, l'une avec les clics et la dernière avec les coûts par clic. Donc ça c'est les coûts par clic sont la division du coût par clic et elle a été fabriquée de toutes pièces. Elle apparaît bien sûr ici. Si vous cherchez votre nouvel nom de rubrique, elle sera ici. Nous avons terminé avec cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des tutoriels Google Data Studio.